Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin dans les vidéos spéciales salle de bain, salle de douche, tour. Donc comme je vous l'ai dit, dans la maison on a plusieurs salles de bain slash salle de douche et on a décidé d'en rénover deux parce que les autres sont à peu près propres. Mais voilà, celles-ci elles étaient vraiment dans un état je vais pas dire catastrophique, mais presque. On s'est dit, si jamais on achète une maison et qu'il y a des travaux, on s'en était parlé avant avec John, on s'est dit quelle pièce on accepte en fait de refaire, quels travaux on est prêt à assumer et suivre. Et du coup la salle de bain en faisait partie parce qu'en général, ça je vous l'avais déjà dit, mais quand vous achetez une maison qui n'est pas toute neuve, les pièces que vous avez à refaire, ça dépend vraiment des maisons, mais de notre expérience en tout cas, ça a toujours été la cuisine et les salles de bain. C'est vraiment le truc à chaque fois où on se disait, ah ouais, c'est vraiment vieillot, c'est en mauvais état, etc. Et dans cette maison, ça a été le cas pour deux salles de bain douche. Donc on les a refaites de A à Z, et quand je dis refaites à neuf, c'est vraiment du sol au plafond. On a tout cassé, le carrelage au mur, les toilettes, la douche, on a tout enlevé et on a refait ça à neuf, les luminaires, tout tout tout. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer les deux salles de bain, salles de douche que l'on a rénovées. J'espère que ça va vous plaire. Je sais, j'ai mis du temps à vous filmer cette vidéo et jusqu'à récemment vous me relanciez à ce sujet et je vous ai dit, je vous promets, je vous fais ça fin août slash rentrée. Donc je suis plutôt dans les temps, je tiens ma promesse. Donc on va commencer avec celle-ci dans laquelle je suis actuellement. Celle-ci c'est la salle de douche parentale. Je vous avais dit qu'on avait une salle de douche voilà située au niveau de notre chambre avec John, donc c'est celle-ci. C'est celle qu'on utilise du coup le plus souvent dans la maison. Donc vous allez le voir, on a utilisé des matériaux qui sont assez entre guillemets nature en fait. Cette salle de douche, on avait envie d'un esprit un peu comme le reste de la maison finalement, une petite touche nature, bois, mais avec des... On a essayé de moderniser en fait avec des touches noires par-ci et par-là et on adore celle-ci. C'est vraiment, je vais pas dire ma préférée parce que l'autre, la salle de bain, elle est super belle aussi, mais dans un tout autre style, vous allez le voir. Ça fait plus spa, marbre, vous allez voir, c'est super joli. Mais celle-ci, elle est, je sais pas, elle est réconfortante. Il y a quelque chose, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Bref, donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Bon, on va commencer avec cette partie qui est juste derrière moi, qui est hyper simple. C'est un petit banc que j'avais acheté chez Zara Home, que je trouvais vraiment très très joli. Vous en avez parlé au début de cette série de vidéos où je vous disais que Zara Home avait sorti une super belle collection vraiment dans cet esprit nature, matériaux naturels et compagnie, et franchement j'avais craqué sur beaucoup de choses, notamment ce petit banc là et du coup le porte-serviette qui est juste ici, qui est en bois également. Donc ici rien de particulier, j'avais acheté ça aussi chez Zara Home et je m'étais dit que j'allais mettre des petites serviettes d'invité quand on reçoit du monde, et c'est également le genre de petite serviette que j'aime bien moi utiliser pour me sécher le visage une fois que je me suis complètement nettoyée, démaquillée. Donc voilà, je les mets juste ici. Ici ce sont des serviettes que je garde pour les cheveux de la marque, je sais plus, je vous en avais déjà parlé de ces serviettes là, j'adore, je sais pas comment ça se prononce, c'est une marque que vous pouvez retrouver notamment chez Sephora, à Kiss. Et celle-ci c'est une Hello Body et c'est le genre de serviette que j'adore pour les cheveux, ça sèche vraiment très très vite. À la base je pensais vraiment que ce genre de truc c'était gadget et en fait ça te sèche les cheveux super vite, donc voilà j'en laisse ici. Juste là il y a des petits chouchous, voilà, ici il y a mon styler GHD, on a des parfums et un spray d'ambiance de salle de bain. Ils sont super bon, vraiment trop trop bon. Ça c'est un parfum que ma belle-sœur m'a acheté à mon anniversaire. Je connaissais pas du tout cette marque, je crois que c'est une marque UK et ils sont très très bons. Mais ils sont quand même beaucoup l'oud. Je vous ai dit que c'est un ingrédient que j'adorais dans les parfums. Mais je te l'ai fait sentir? Non. Si? Non, tu le connais pas? Enfin... Mais il est un tout petit peu trop oud pour moi, du coup j'adore le mélanger avec d'autres parfums un peu plus légers, tu vois. Ouais, c'est bon, mais c'est un tout petit peu too much pour moi en tout cas. Mais Candles and Wood, si jamais vous voulez découvrir une nouvelle marque, ils sont très bons. Et je vais du coup aller voir ce qu'ils font d'autre. Elle m'a dit que vraiment il y avait plein de parfums qui donnent envie, un peu dans le style qu'on aime bien en fait. Ça c'est un parfum à base musc ravageur de Frédéric Malle. Donc voilà, si ça vous dit. Une bougie Chanel que j'ai depuis des années. En dessous aussi j'ai mis des petites décos. Vous les avez déjà montrées. J'avais acheté ça chez West Wing je crois. Et cette bougie je l'avais achetée chez H&M. Je vous l'avais déjà montré dans un haul. C'est la riche mahogany et j'ai la beige qui est dans le salon télé, jeux, etc. Donc voilà pour ce qu'il y a ici. Rien de très spécial. À ce niveau-là, en fait, on voulait mettre une petite étagère en bois
Également. Et en fait, on s'est dit, on n'en a pas vraiment l'utilité. On s'est rendu compte, en fait, en vivant dans cette salle de douche, on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas besoin, en fait. Si je le fais, ce sera vraiment pour la déco, finalement, plus qu'autre chose. Donc, on verra bien, mais c'est pas urgent. Donc voilà ce petit point, et en général quand on prend notre douche, on peut dire qu'on l'a, enfin voilà, quand tu t'habilles, mets tes chaussettes, tu t'assois, enfin anyway. Donc voilà pour cette partie, ici on a les toilettes, dans un particulier, j'avais acheté une petite poubelle noire, enfin les essentiels toilettes. Je crois que je les avais pris chez une partie chez Leroy Merlin et l'autre partie chez Westwing il me semble. Pareil, franchement ça fait longtemps, je vais essayer de retrouver tout ça, je vous mettrai ça en barre d'infos, mais pareil j'avais un peu galéré. Parce qu'il fallait que je trouve une poubelle qui soit vraiment pile poil dans ce petit coin. Bref, donc ça c'est une bougie qui vient de chez Westwing. Je vous l'avais déjà présentée dans un haul. C'est une bougie avec un packaging en marbre en fait. Elle est super belle et je trouve qu'elle va parfaitement bien dans cette salle de bain. Juste ici, c'est un pot que j'avais acheté chez Zara Home. Je vous l'avais déjà présenté parce que j'ai exactement le même dans la cuisine. D'ailleurs, pour celles et ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, j'en ai filmé plusieurs. Et notamment ma cuisine. Et dans celui-ci, j'ai mis les gros couverts, les spatules, les trucs, les gros trucs, ouais, le truc pour couper la pizza. Et ça fait super joli. Donc franchement, je suis contente. Ici, c'est un carrelage, comme je vous l'ai dit, qui fait un petit peu béton ciré. Alors en fait, dans cette salle de bain, comme je vous l'avais expliqué, on voulait des matériaux qui fassent un peu naturel. Et on a trouvé du carrelage. Ce carrelage est magnifique. J'essaierai de vous mettre les références et les boutiques, etc. Dans lesquelles on s'est fourni. Sur Paris, et c'est une petite boutique avec de super beaux carrelages. Franchement, c'est la première fois que je visitais une boutique de carrelage. Comme une boutique de fringues, mais il n'y a que du carrelage. Et t'as les trucs que tu tournes comme ça, c'est la première fois que je faisais ça. Très sincèrement, j'ai jamais... je pense que comme une majorité de personnes, j'ai toujours acheté mes carrelages, etc. Chez Leroy Merlin, c'était vraiment beau. Franchement, c'était vraiment beau. Bref, donc on a pris deux carrelages différents pour cette salle de bain. On a pris une forme carrée pour... Enfin, c'est le même carrelage, mais dans deux tailles différentes. En fait, on nous a recommandé de mettre des grands carreaux au niveau du mur, de façon à agrandir la pièce, à avoir un... sensation, une impression de plafond un peu plus haut, et de mettre les carreaux, enfin de style carré au niveau du sol. Donc moi je voulais des énormes carreaux sur le sol de façon à pas trop voir les joints en fait. Les joints c'est quelque chose que j'aime pas, et je voulais vraiment un minimum de joints. Si ça tenait qu'à moi en fait, j'aurais aimé avoir une plaque unie vraiment qui fasse tout le long, mais c'est un petit peu compliqué sauf faire du sur mesure. Donc je voulais vraiment des carreaux larges possibles. Donc au niveau du sol, carré. Au niveau du mur, ici on les a mis en longueur parce qu'il fallait optimiser quand même tout ce qu'on avait acheté. Et au niveau de la cabine de douche, je voulais on les a mis en longueur en fait. Donc voilà mes magnifiques carrelages. Franchement, on en est trop content. On est vraiment super content. Il est sublime. Juste ici, on a acheté ce meuble. Faudrait que j'essaie de vous retrouver la boutique, mais ça a été une catastrophe. Vraiment, ce meuble, j'allais abandonner, je vous dis. J'allais vraiment laisser tomber. Je les ai haïs, ces gens-là. Et mais pas parce qu'on l'a reçu 1000 ans plus tard, mais c'est que vraiment, pas aimable. Non, vraiment, ça a été une bad expérience. Malgré tout, quand on le voit maintenant aujourd'hui, on se dit bon, on oublie, il est beau, il est très bien, il est là. Mais ça a été extrêmement difficile de trouver un meuble de salle de bain. Franchement, ça me saoulait parce que moi, je vous l'ai dit, j'adore Pinterest. Donc, je pinais plein de meubles en bois avec du marbre sur le dessus et je n'en trouvais pas en France. C'est un enfer, vraiment. Quand je trouvais des meubles avec du marbre au-dessus, c'était pas du bois en dessous. Et quand j'en trouvais, je crois qu'il y en avait chez Maison du Monde, ça faisait hyper vieillot, c'était moche, le marbre il était pas beau. Mais un enfer. Trouver ce genre de meuble-là, franchement, super difficile. Et un jour, on est tombé sur celui-ci et franchement, on l'a trouvé très beau. On s'est posé la question, on s'est dit, est-ce que ce carrelage-là va aller du coup avec le reste? Et finalement, ça matche super bien avec le côté naturel de la salle de bain. Je sais plus comment on appelle ça exactement. Au niveau des robinets, pareil, on en a acheté. C'est la même marque que la douche. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. C'est Christina. Je crois que c'est Christina la marque. Un truc dans le genre. Et pareil, franchement, que ce soit moi ou John, on n'avait jamais vraiment investi autant dans des choses de salle de bain. Et là, on a vraiment été aiguillés parce qu'on voulait des matériaux qui
dure vraiment très longtemps. Des années, pas 2 ans, pas 5 ans, plus que ça. Et donc on nous a recommandé cette marque qui apparemment est excellente. Et pour être honnête avec vous, en noir de toute façon c'était très difficile de trouver des choses. Il y en a, si vous avez un plus petit budget, il y en a chez Laura Merlin. J'ai vu des robinets noirs si jamais c'est quelque chose qui vous tente. Et moi je voulais des robinets avec un effet croix. C'est au petit détail près, je vous l'ai dit, je suis hyper relou en termes de décoration et j'avais du mal à trouver ça. Et voilà, donc je crois que le robinet seul en fait nous a coûté 500 € pour vous donner un ordre d'idée. C'est quelque chose, mais on est super content, on n'a aucun regret, c'est super beau, tout est vraiment harmonieux en fait. En revanche, pour tout ce qui est petites décorations comme ça, les miroirs, les luminaires, on les a pris dans des boutiques un peu moins chères parce que bon, ça touche pas l'eau, voilà, donc on l'a pris chez Leroy Merlin celui-ci. Pareil pour le luminaire, Leroy Merlin, donc il y a une lumière en haut, une lumière en bas. Et ceux-là, je les ai pris sur un autre site, j'essaierai de vous retrouver la référence. Je crois que c'était chez Mano Mano, ceux-là, si jamais ça vous intéresse. Au début, on en voulait des luminaires en fait où il y a une ampoule en haut, un truc un peu comme ça, et un luminaire en bas, mais pareil, j'arrivais pas à en trouver qui soit assez fin. Je trouvais des trucs un peu grossiers et j'avais pas envie de charger cette salle de bain. Donc voilà, un vase de chez West Wing, je vous l'avais déjà présenté, il me semble. Des petites plantes que j'avais commandées, je crois, sur Amazon, je sais plus. Ce vase, il était dans ma chambre. Il était dans notre chambre à coucher. Donc voilà, il se retrouve là maintenant. Mais c'est exactement le même. Hein. Ce sont les branches d'olivier artificielles qu'on avait pris, je crois, chez Amazon. Et ça rend super bien ici. Ça, pareil, je l'avais pris chez West Wing, je crois. Ah, ça c'était H&M Home. Je vous avais fait aussi le haul quand j'avais acheté ça. Donc je mets mes petits bijoux le soir quand je me démaquille. Voilà, c'est juste ici. Et ça, c'est un distributeur de liquide, savon liquide. J'en ai mis partout dans la maison. J'adore la marque Simple Human. J'en ai partout. Ils sont vraiment trop bien. Même mon distributeur de liquide vaisselle, je l'ai changé du coup entre temps. Et c'est un Simple Human. Ils sont super. Mais celui-ci, je l'ai commandé sur Amazon parce que j'en voulais un noir. Et franchement, il est pas mal aussi. Donc nickel. RAS, rien à dire. Ici, on a un diffuseur d'ambiance que j'avais acheté chez West Wing. Je l'avais commandé, pareil, je vous l'avais présenté. Pour terminer avec cette partie-là, juste ici, je vous montre quand même le muret parce qu'on voulait aussi un muret un peu avec des petites moulures. Ça, c'est hyper simple à réaliser si vous êtes manuel, si vous faites beaucoup de DIY, de travaux chez vous, c'est super simple. J'avais vu des tutos parce qu'au début je voulais me lancer et j'ai été démotivée, franchement. Ce sont des petites planches en bois en fait ici, ils ont repeint. Et ça c'est un muret, un vrai muret, et là c'est des petites planches en bois, donc voilà. Et on en est trop contents, franchement c'est hyper joli et j'adore cette salle de douche, elle est trop belle. Ici, alors, la cabine de douche a été faite sur mesure, pareil, parce que vu qu'on voulait un petit muret, bah, il fallait du coup une cabine avec un demi-porte, juste là. Donc on a dû la faire sur mesure, etc. Ça a été hyper compliqué, pareil, très galère. Cette salle de douche, je vous l'ai dit, elle a mis, je crois, 5-6 mois. Parce que ça arrivait lentement, c'était compliqué. Puis en plus avec le Covid et tout, ça a été encore plus compliqué. Mais on en est trop content, on l'adore. Et voilà, vous avez cette partie-là, vous avez la porte ici. Et juste ici, à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, on a mis le même carrelage, sauf qu'il est en longueur. Et pareil, le pommeau, le robinet, etc., c'est la même marque que les robinets qui sont au niveau du meuble double basque. Et j'adore, franchement, le noir comme ça, avec l'effet béton ciré, je trouve ça magnifique. C'était la salle de douche de mes rêves. Et donc, je suis trop contente. Par contre, avec ce genre de cabine de douche, n'hésitez pas, si vous en avez un petit peu marre de nettoyer une cabine de douche, à vous acheter des raclettes. Un peu comme ça, que vous trouvez un petit peu partout et après chaque douche en fait vous passez la raclette sur la vitre. Et à l'intérieur, je vais me mettre juste ici, pareil, on n'avait plus envie d'avoir des étagères en angle plastique. Ikea, ok, j'ai vu ça toute ma life, j'ai dit à John, faut qu'on se fasse un truc, notre truc de rêve quoi, faut qu'on se fasse kiffer et tout. Il m'a dit franchement je suis d'accord avec toi, les étagères avant tout, ce qui tombe H24, le truc Ikea qui jaunit avec le temps, enfin j'ai eu ça toute ma vie, à l'appart c'est ce que j'avais aussi. Donc là j'avais envie de vraiment, on avait envie de se faire plaisir. Donc on a fait faire le muret ici, l'encastrement sur mesure également, et on a fait mettre une plaquette juste là de façon à mettre nos produits et en fait on les voit.
vois pas. Ils sont cachés et c'est tout ce qu'on voulait. C'est hyper propre, c'est vraiment beau. Donc franchement, on est hyper contents de nos petites idées. On faisait des croquis et tout, c'était hyper marrant. Stressant, mais quand même, maintenant qu'on y pense, on rigole pas mal. Et du coup, ce matériau qui est juste là, donc la plaquette ici et la plaquette qui est juste là, ce sont les mêmes en fait. Et je sais plus comment on appelle exactement ce... c'est pas du marbre, hein, c'est pas du carrelage. Je vous dirai ça en barre d'infos. Et c'est un matériau assez spécifique. Pareil, qui a quand même un certain coût, mais on a suivi les conseils d'un expert. Pareil, on voulait que ça dure dans le temps et il nous a conseillé ça. Donc en ordre d'idée, vous avez la tablette à environ, je crois que c'était 300-400 €. De ce côté-là, on a un miroir sur pied que j'avais acheté chez Zara Home, donc en même temps que le banc et que l'espèce de petit truc et le porte-serviette, donc ça faisait partie de la même collection. Franchement, je sais pas s'ils y sont encore, mais c'est exactement le style dont j'avais envie, donc un miroir... Pour regarder sa tenue tous les matins et dans cet esprit un petit peu voir. Mis à part ça, j'ai pas grand chose à vous dire d'autre sur ce miroir, mais il est super joli et ça, je vous les avais déjà montré également. Je les avais commandés sur Amazon. Du coup, ces petites corbeilles un peu effet paille et avec un panier en lin qui est fourni avec. Donc il y en a un où on met le linge blanc et un où on met le linge coloré, tout simplement quoi. Pareil, luminaire que j'avais acheté, je crois, chez Mano Mano, juste ici, toujours dans l'esprit de la salle de bain, pour apporter ces fameuses petites touches noires. On a également apporté ces fameuses petites touches noires au niveau des poignets et je les ai prises chez Leroy Merlin, les poignets. Et puis voilà, je crois qu'on a fini les tapis H&M ou Zara, je vous les avais montrés dans mon haul. H&M, du coup, les tapis, les sorties de bain, tout ça, et j'adore, je les trouve vraiment jolies. Donc voilà pour cette salle de douche, on passe à la salle de bain. C'est parti, les... Dans notre salle de bain buanderie spa. Donc ici c'est une salle de bain qu'on voyait vraiment dans un esprit spa. Franchement, genre le spa Dior, Plaza Athénée, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais posté des vlogs où je vous avais montré tout ça quand j'étais allée au Plaza Athénée. C'est un spa qui m'a toujours fait rêver, qui est vraiment en marbre et tout, c'est vraiment trop beau. Et voilà, bref, on avait envie d'une salle de bain avec un effet un peu... Oui. J'ai pas dit que c'était le spa Dior, j'ai dit que ça nous avait inspiré. C'était pas notre inspiration. Spa Dior. On va l'appeler comment? Le spa Sanjan à domicile. Donc voilà, c'est notre petit coin de bonheur quand on prend des bains, même quand la famille vient. Notamment ma cousine, j'ai une cousine qui est venue d'Espagne, ça faisait 12 ans que je l'avais pas vue, elle est venue à la maison. Et je lui ai dit, tu sais quoi, tu vas chiller, ses enfants dans le jardin. Tu sais, j'ai fait ça, ses enfants dans le jardin. Et elle était ici, on lui a coulé un bain, on lui a mis de la mousse, une boule de bain avec un bijou dedans. Elle était juste tellement peace and love quand elle est ressortie de là, on lui a allumé les petites bougies. Je lui ai mis de la musique, un fond sonore, genre nature et bruit, je sais plus ce que c'était, une playlist, mais vraiment c'est trop bien, ça fait plaisir de pouvoir se faire ces petits plaisirs là. Et pour ça il nous fallait forcément une énorme baignoire. En tout cas pour moi elle est énorme, j'ai jamais eu aussi énorme de ma vie. Déjà d'avoir une baignoire, franchement c'est juste un kiff, mais d'en avoir une aussi grande, c'est juste ouf. Je crois que celle-ci elle fait 1m80 de mémoire, 180. Il y a plus grand, hein. Franchement il y en avait, on se disait vas-y viens s'il te plaît, viens on prend une baignoire qui fait tout ça. On s'est dit mais vas-y arrête, il va plus avoir de place pour circuler. Du coup on s'est un petit peu calmé, on s'est dit calme-toi. On avait envie d'un effet marbre et on avait envie de dorure, complètement pas du tout l'inverse de l'autre salle de douche. Mais ça a été une galère incroyable pour trouver les accessoires en fait dans ce style là, donc tout ce qui est robinet, pommeau et tout dans cette couleur. Je sais pas si on s'en rendra compte à la caméra, c'est pas un doré doré, c'est un doré un peu, je crois qu'ils appellent ça sunset, un peu bronze et un peu comme pas brossé mais un peu mat. Et c'est ce que je trouve le plus joli en fait. J'avais pas envie d'un truc qui brille, un doré brillant, que ça fasse un peu cheap, j'aime pas ça. Et du coup on a trouvé celui-ci, la référence, j'essaierai de vous retrouver également, mais la marque c'est Grohe, cette fois-ci donc G-R-O-H-E. Vraiment tout l'ensemble, par contre j'ai vraiment galéré pour trouver tous les trucs là de baignoire, pareil pour aller dans le même truc. Des tas de soucis, j'en ai acheté 1000. Et encore une fois c'était pendant le Covid donc ça a été un petit peu compliqué. Mais au final on a réussi
à trouver notre bonheur. Le carrelage vient exactement de la même boutique et pareil, on en est trop content. Il est magnifique, franchement il est sublime. On a fait faire un petit muret ici sur mesure également parce qu'on voulait une petite étagère pour poser des choses en fait, et on voulait pas une fois de plus se mettre un angle étagère. Enfin, on n'avait pas envie de faire une belle salle de bain pour avoir un truc en plastique pour mettre nos produits ou un truc qui fasse pas du tout dans le thème. Donc on s'est dit bah viens on fait un petit muret en fait, et on a fait faire un petit muret ici, on a fait poser le carrelage aussi par dessus, donc voilà, super beau. Toutes ces décorations je vous les ai déjà montrées vu que je les avais achetées chez H&M Home, donc les voilà présents. Je crois que je vous les avais montrées dans un hall où j'étais encore à l'appart, ça doit faire au moins un an, mais voilà, maintenant vous les voyez disposés. Donc c'est hyper cool. Et puis voilà, donc de ce coin là ça je les avais eu chez West Wing. Ça c'est un diffuseur de chez Zara Home, c'est le Musk Shade qui sent extrêmement bon. Donc voilà, et derrière moi pareil, bougeoir que je vous avais déjà présenté, donc il se retrouve ici, meuble colonne qu'on a acheté chez Leroy Merlin. C'était pas du tout prévu qu'on mette du bleu dans cette salle de bain, on voulait faire tout blanc encore une fois parce qu'on est fou avec le blanc, et en fait on s'est dit bah pourquoi. C'est pas forcément une pièce. En général, quand tu mets de la couleur, en fait, enfin moi personnellement, j'ai juste peur de me lasser du coup de la couleur et de vouloir revenir au blanc. C'est ce qui est toujours arrivé d'ailleurs dans ma vie. Sauf qu'ici, c'est une pièce où on n'a pas tous les jours. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc on s'est dit autant faire un truc particulier. Et ce bleu, je le trouve vraiment trop beau. Et ça fait super beau avec les poignées dorées qui finalement vont avec les robinets et tout. Donc ça, c'est hyper cool. La colonne va avec ce meuble. Une vasque qui existe en différentes tailles. Donc voilà, on a pris celui-ci de façon à ce que ça rentre bien dans le mur. Pareil, on a dû tout mesurer et tout. Voilà, c'est le meuble qui va avec la vasque en marbre. Donc c'est du vrai marbre, hein, pareil, de chez Leroy Merlin. Ça par contre, ça va pas avec. Vous en avez chez Leroy Merlin qui sont très jolis, mais on a pris la même gamme en fait que celui qui est ici, tout simplement. Voilà, donc distributeur Simple Human que j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fonction de l'endroit où vous mettez votre main, vous avez plus ou moins de savon. Si vous la mettez là, vous avez un petit peu. Si vous descendez, vous en avez beaucoup. Enfin, vous pouvez un peu. J'y trouve vraiment cool et ça se recharge en fait. C'est pas avec pile. Vous avez ici un endroit pour charger. Celui d'en bas, le Amazon, c'est avec des piles. Et ceux-là, ils sont vraiment bien et la couleur, elle va parfaitement. Miroir, le Roi Merlin également. On l'a trouvé original. On se dit pourquoi pas, carré rond comme ça. Ce luminaire, je sais plus. Honnêtement, c'était sur un site, je crois, que je connaissais pas en fait. Pas connu, donc j'essaierai de trouver et je vous redirai ça. Voilà pour ce qui est de cette partie, on va dire salle de bain, spa. Donc après, tout ce que je range dedans, on s'en fiche un petit peu, vous allez me dire, mais voilà, c'est truc de salle de bain quoi. Je sais pas quoi vous dire d'autre par rapport à ça. Ici j'ai mis des petits paniers que j'avais acheté chez West Wing il me semble. Donc voilà, avec tous les parfums Guerlain parce que je les trouve vraiment trop beaux. Et ça va avec ce spa. Donc voilà, je les ai mis ici, toutes les belles bouteilles comme ça que je vais jamais utiliser. Enfin, utiliser un gel douche Dior, j'adore. Je crois que je préfère le laisser en décoration. Voilà, ici il y a des chouchous, des petites pinces, etc. Là c'est pareil, des produits que je trouve magnifiques et que j'ai jamais réussi pu utiliser, très franchement. Donc je les ai gardés en décoration et du coup je regrette pas parce que ça va super bien avec la pièce. Là c'est le petit frigo de produits que j'ai mis juste ici, mais j'ai un problème avec, je suis un petit peu dégoûtée. Chaque fois que je le branche, maintenant il y a un message d'erreur. Donc faudrait que je les contacte pour voir s'il y a quelque chose à faire. Mais normalement, bah, je mets les produits que j'utilise ici, ou vu que moi je suis beaucoup plus dans l'autre salle de douche, ici je mets des produits de façon à ce que les invités, les personnes qui viennent à la maison puissent les utiliser. Ma mère aussi, elle était là ce week-end, bah, quand elle vient, elle utilise des produits qui sont là, comme ça elle ramène pas les produits avec elle. Voilà, ici pareil, c'est un petit panier qui va avec ça. J'ai juste mis sèche-cheveux, brosse, petite pince pour brushing, voilà, serviette propre. Et ici on a la partie buanderie. Alors cette partie buanderie, c'est une très longue histoire qui m'a valu des larmes. des vraies larmes de rage, de frustration. En fait on avait une idée de buanderie à ce niveau là, donc on avait acheté ces meubles, je crois que c'est Méthode de chez Ikea. Et en fait vous faites un petit peu ce que vous voulez, des cuisines, des buanderies. On avait acheté cette partie là avec le plateau. Les poignées par contre je les avais commandées chez Amazon, celle-ci, de façon à ce que ça aille avec celle de chez... Je vous dis n'importe quoi, mais le meuble Leroy Merlin, c'était quoi comme poignée? Elles étaient noires un peu bronze aussi, je crois. C'est plus du tout, je m'en rappelle plus. Je crois qu'elles étaient noires un peu bronze aussi. Bref, donc en fait, là, pas le petit côté. Ce sont des poignées que j'ai achetées, moi, sur Amazon, pour aller, du coup, avec cette couleur-là. Voilà, c'est tout. Et pour
pour mettre les mêmes partout. Parce que des fois, ça fait chelou quand tu mets des poignées dans certains cils ici, un autre ici, un autre ici. Donc voilà, je voulais que tout soit harmonieux. Donc j'ai commandé ces poignées-là. Donc meuble Ikea. Et ici, en fait, le fameux problème, c'est que là, on avait un grand meuble avec une porte, en fait, à l'américaine. Vraiment buanderie que je vois sur Pinterest. J'en ai vu piner plein. Et un super joli meuble avec les mêmes portes comme ça, donc de chez Ikea. Et en fait, il s'avère que je sais pas comment on a fait. Et c'est aussi parce qu'il y a un tuyau sur le côté qu'on n'avait pas calculé, enfin on a fait une énorme bêtise. Donc tout était en place, hein, le meuble il était monté et tout, et en plus collé avec des joints parce que c'est assez particulier, et en fait la machine à laver ne rentrait pas dedans. J'ai vu mon rêve se briser en mille morceaux. Et John il était fou. Franchement, il en avait trop marre, lui il avait qu'une hâte, c'était que tout se termine. Et sa patience, elle a trop des limites. Lui c'est vraiment limite. J'ai pas envie de parler de cette vidéo. Et donc, pétage de câble, embrouille, laisser tomber quoi, du grand n'importe quoi. Et au final on s'est dit, bah tu sais quoi, et bah on aura une buanderie. Une buanderie normale. Du coup on a mis un truc là entre les deux pour pouvoir poser du coup le sèche-linge sur la machine à laver. Sèche-linge que j'ai acheté grâce à vous, du coup c'est vous qui m'avez recommandé d'acheter un sèche-linge pour garder mon linge doux, notamment mes serviettes de bain, souvenez-vous. Donc si vous faites partie des gens qui m'avaient laissé un commentaire en disant Sana tu veux des serviettes douces toute ta life, achète ton sèche-linge, et bien voilà, voilà le résultat de vos conseils. Donc on a mis machine à laver, sèche-linge, et puis voilà, comme ça c'est un truc que tu peux... Je sais même pas comment ça fonctionne, je l'ai jamais utilisé ce truc. Mais normalement ça tu le tires. Comme ça tu poses ta corbeille et tu te baisses pas et tu te fais pas mal au dos. Mais voilà, donc pour cette buanderie finalement improvisée quoi. Parce que c'est pas ce qui était prévu, mais ça nous va aussi. Franchement c'est propre, c'est blanc. Et puis voilà, je vous ai pas montré le carrelage, mais c'est du carrelage, ce n'est pas du parquet. On voulait un carrelage effet bois parce qu'on voulait un côté un peu chaleureux quand même dans cette pièce. Et celui-ci, on l'a eu chez Leroy Merlin par contre. Super beau, je l'adore, je le trouve vraiment très très beau et je trouve que ça match pareil super bien. Donc on est plutôt fiers de nos petites idées et de tout ce travail de recherche et aussi de galère. Il faut dire ce qui est, les travaux, travaux slash déménagement, c'est vraiment... source d'embrouille et de stress. Franchement, je m'étais jamais autant embrouillée de ma vie avec John. Je me suis dit, attends, c'est quoi le délire? On emménage ensemble, c'est le moment où on se sépare, c'est ça, c'est le truc. Et tout le monde m'a rassurée en mode, mais non, franchement, c'est normal. Tout le monde, tout le monde s'embrouille pendant les déménagements et tout. Donc si jamais ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, c'est une étape de la vie, c'est l'une des étapes les plus stressantes d'ailleurs d'une vie. Tu t'en sors et t'es super content et c'est une nouvelle vie, une nouvelle aventure, mais voilà, tu rencontres pas mal de couacs. Et encore nous, ça va, parce qu'il y a des gens, c'est vraiment des catastrophes quoi. C'est ce qu'ils rencontrent quand ils achètent, quand ils déménagent, c'est assez dramatique. Mais nous, ça va, on va pas se plaindre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour aussi. Du coup, ici, je vais pas vous montrer les tiroirs, mais c'est pareil, hein, tout ce qui est linge assouplissant, assez bien trié. Je dois bien l'avouer, je suis assez. Pas celui-là. Celui-ci, il était bien trié. Assez fière de moi pour mon organisation, mais voilà, on est hyper content. Donc voilà pour cette vidéo spéciale rénovation salle de bain, salle de douche. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées et que je vous aurai fait voyager votre salle de bain à la mienne. En tout cas c'est un rêve éveillé, je dois bien l'avouer. Ça a toujours été un rêve pour moi de refaire des salles de bain et faire vraiment ce que j'ai dans la tête. Donc je suis hyper contente, hyper reconnaissante. Et avec John on est franchement super content. Donc voilà, je tenais à vous dire merci encore une fois, parce que si tout ça arrive c'est aussi en partie grâce à vous. Et ça je vous oublie pas. Et voilà, si jamais il y a d'autres pièces, d'autres choses, déco que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Bon, ici c'est la chambre d'amis, vous reconnaissez un petit peu le lit, etc. C'est le lit qu'on avait avant, mais maintenant c'est une chambre d'amis ici. Et voilà, en tout cas on est hyper hyper contents. Je crois que j'ai fait le tour. En attendant une prochaine vidéo, je vous en mets une autre juste là si vous avez encore un petit peu de temps. Je vous fais des bisous et prenez soin de vous.